connais aussi, c'est Minette, le beau chat d'une copine. Le beau chat, c'est comme genre le beau frère mais en chat. Ajouter avec ça. Félin de salon a une belle robe à poils longs. On dirait presque un accordéoniste qui révise ses gammes avant son spectacle dominical sur la place du village. C'est exactement ça. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Ouais, je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Peu importe ce que tu me diras, de toute façon je comprends pas. Je suis un chat, j'accepte n'importe quoi. Tu me donnes un truc à bouffer, d'abord je leur défle, on verra pourquoi. Il faut que je le mange, après tout c'est toi qui me le donnes. C'est un petit peu bizarre, je peux chasser tout seul. Alors le faire tous les jours. Si tu ne le fais pas au moins deux fois par jour, je te ferai le visage de la personne qui t'en veut. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. 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 Je suis chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je suis un chat, je suis un chat, je suis un chat, je suis un chat. Je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat. De toute façon, personne me punira si tu me punis. Je fais n'importe quoi. Il est possible que je fasse encore plus n'importe quoi. Je suis un chat, je fais 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 n'importe quoi. Je suis un chat. Un chat qui ne regarde pas derrière lui. Je suis un chat qui monte aux gouttières même quand il fait nuit. Je suis un chat, je goûte les trucs qu'il y a autour de moi. Et si ça me plaît pas, j'hésite pas à mettre un coup de griffe là. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. 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 Je suis un chat. Et regarde-moi, regarde, toi t'arrives pas à passer par là. Moi je suis un chat, je peux faire ça. Tu pourras me suivre autant que tu veux, tu ne m'atteindras pas. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat.
je ne demande rien à personne. Mais c'est marrant, tu me ramènes toujours des trucs qui déconnent. Des petits jouets qui marchent pas, dès que je bouge mes doigts. Franchement c'est de la camelote, je préfère largement le carton en soi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Et puis le pire dans tout ça, c'est que toi tu adores ça. Je suis le chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat, je fais n'importe quoi. Je suis un chat. Allez, salut le chat. Continue de faire n'importe quoi. On aime ça, on te regarde sur YouTube, t'inquiète pas. C'est du pur génie, j'adore. Donc là, c'était Pilou Crapou à qui j'ai fait un relais de chaîne tout à l'heure. Bon là, il jouait sur Fortnite, il se relaxait. Il faut savoir que bon, moi, j'estime que Pilou Crapou est un pur génie et il fait des improvisations quand il déclare faire de la musique sur son antenne Twitch. J'adore. Et ça, j'avais capturé en fait à son insu. Il a su qu'aujourd'hui, là, on a discuté un peu sur son antenne tout à l'heure. Il savait pas que j'avais capturé à la sauvage son improvisation, que j'adore. Je voulais absolument la garder, l'immortaliser avant que ça disparaisse au bout de 15 jours sur Twitch. Et il est d'accord pour que de temps en temps je capture des trucs qui me plaisent dans ses improvisations, que j'écoute de temps à autre, pour les diffuser sur mon antenne et lui faire un peu de publicité. Il mérite d'être connu, Pilou Crapou. En plus, il est adorable comme garçon. Et voilà quoi. Bref, bonjour à toutes et toutes, pardon, j'avais encore démarré avec le micro fermé. Dimanche après-midi, détente, relax, et puis là, je me suis dit, hop, sur coup de tête, je veux faire du golf around, je vais me faire un peu de mini-golf. Il y a l'ami Tunesen qui va me rejoindre, et tout à l'heure, il y aura AJ, donc ça va être sympa, baba cool. Juste moi, me dire, quand je vais réécouter la rediffusion à l'occasion, que j'avais mis 8 nampes à 25%. Que je me fasse une idée du volume, le rendu sur Twitch, YouTube, enfin l'internet de manière générale. Je me fasse une idée de la balance des sons. Là, je vais baisser pas mal pour les prochaines musiques. Ça reste un petit fond pédard. Et puis je vais continuer à jouer à solo jusqu'à ce que Tunesen me fasse signe qu'il est prêt à me rejoindre en multi. Ah oui, c'est fort. Je vais mettre 3% là. Ouais. Merde, ah, je suis tombé. Oh, pardon. C'est en dessous qu'il y a le... Ah non, merde, non. Ah, j'ai mal lu. Putain, je crois qu'il y avait un trou en dessous du truc. Pas du tout. Ah ouais, non, là, j'ai pas fait le... 60 coups sur 51. Le 16 aurait été un carnage.
J'aime bien la neige, c'est rafraîchissant, surtout en ce moment. Ouais, là je me souviens qu'il faut bien se placer. Oups. Bien vu. Hein? Pas assez fort. Mais non! Elle fait de la merde. Ah mon dieu. Oula. Oups. Oups, oups, oups. Excusez-moi, ben, je trouve le moyen de m'enrhumer. Mince. Ah, mauvais kick. Ah, planche de fakir, j'adore.
Ah oui, Kaiser. Oups, un peu trop bourrin. Dommage. Dommage, dommage. Alors, je vais en profiter pour aller remettre des chaussettes que j'avais retirées entre midi et deux. Et là, je finis par regretter, mes pieds sont trop froids. C'est comme ça qu'on chope la mort. Exagère. Hop là. Alors, où en étais-je? Pardon, oh mon dieu, vous avez une vue. Tu es dans le jeu, ok. Ah, je finis mes deux derniers et puis j'ouvre le serveur, ok. J'arrive, j'arrive. Ah mince, merci, ouais. Le clapet est retombé. Je suis rassis un peu trop violemment, merci de l'avoir fait remarquer. J'y suis allé un peu bourrin, elle a pas aimé. Mais il faut pas grand chose, hein. Elle est fragile ma webcam. C'est une fragile. Oh, elle est sur le côté. Pidu! On va essayer là. Anna! Anna! Cruel ça. Double bugger. Non, ah, j'ai merdé sur la fin là, méchamment, mais bon, tant pis. Allez, attends que je trouve la partie, mon cher Twinsen. Menu, lobby. Alors, attends, nom de la salle, l'SDN. Le mot de passe. C'est le fameux coucou, tu le vois clairement. Ah. Hop là. Voilà. Alors la carte, j'ai déjà fait. Donjon, je l'ai pas fait. Donjon, je m'en souviens déjà plus. Bonjour Nainonette Frobo, j'espère que tu vas bien. Re Adjay. Ah, vous testez Gauntlet. Non, bah non, Gauntlet. D'ailleurs, Gauntlet, je crois que je l'ai même pas téléchargé. Donc, ce sera pas aujourd'hui pour moi les tests de Gauntlet. Je l'ai même pas téléchargé, donc, goops. Oui, n'hésitez pas à rejoindre sur le golf. Je vous attends 2 minutes ou je fais déjà une première partie avec Twinsen dit Nanam Louche pourri. Et vous nous rejoignez dans la suivante. Comment vous le sentez? Rona Sheman. Alors, je pense que je vais lancer la partie là. Je vais jouer avec Twinsen et puis vous nous rejoindrez pour la prochaine. Si t'arrives très vite. Bon, si tu dis que t'arrives très vite. Donc le mot de passe est toujours le même. Un jour on sera guaqué par quelqu'un, je le sais. De l'importance de changer ses mots de passe. Ouais, ok. D'ailleurs, on pourrait bavarder. Attendez, j'ai pas mis ma vocale, moi, mais je peux. Hein. On est entre bons copains, alors. Ah oui, j'avais même pas vu. Jet, tu m'avais écrit un truc.
Voilà, pas ce jour, désolé. Attendez, je vais mettre direct Twitch, voilà, pour ceux qui veulent me rejoindre. Pour bavarder, sera plus simple que clavarder. Alors oui, mais moi, c'est demain la vocale. Il n'y a pas de souci, Twinsen. Il n'y a pas de souci. Commencez sans moi. Ok, à tout à l'heure. On commence. Ah, oup. Ah, j'ai encore mis un coup de pied dans le cadre de la webcam. Me voilà. Leurs sons sont faibles. Je suis là. Je suis là aussi. Ah, je vous entends même pas. Oui, pardon, bonjour. Oui, mais c'est horrible, je suis en train de me dire que je vous entendrai même pas. C'est vrai que j'ai pas mon retour, moi. C'est bizarre, cette histoire. Comment ça se fait que je vous entende pas? Est-ce que tu nous entends, là? Attendez, j'ai joué dans la partie, et puis, hop. Je vais regarder dans le... Hop. Pourquoi là, j'ai... Ah, attendez, je vais régler mon son, moi. Ah, là, je vous entends. Ça, c'est cool. Coucou, coucou. Et je reviens dans 5 minutes. Tu reviens quand tu veux. Y a pas de souci. Sois relax. À tout de suite. À tout de suite. Merdoum. Ah, j'ai merdé ma trajectoire. Non, je suis revenu au début. Je suis deg. J'ai dit non. Mais décidément, je suis mauvais. Oh, mais non. Et faut que je me concentre. Là, je suis en train de perdre bêtement. Attends, là je fais un super coup ricochet. Rien à péter, nah. Et par contre, j'ai fait une ânerie, c'est que je vous vois pas. Enfin, je vous vois pas. Dans le chat. Faut absolument que je vois mon chat. Voilà. C'est pire. Ok. Oh, j'ai du bol. Attendez. Je vais améliorer pour le... Pour le chat. Alors, Tunsen me dit c'est pire. Mais au moins je les entends. Pardon. Ouais, non, microphone. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'espère que vous entendez pas le bruit des ventilateurs de moi. J'entends que ta voix, moi, en ce qui me concerne. En même temps, je réfléchis à ce que m'a dit Twinsen, comme quoi on vous entend très mal maintenant. Alors que moi, enfin, je vous entends bien. Il faudrait que je réinjecte ce que j'entends bien de vous dans la machine à son. La machine à son.
Alors, je vais peut-être vous reperdre, mais je vais faire un essai. Je suis vraiment sur la frange de la colline. Parle voir, s'il te plaît, Jay. Bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour du Golf Around. Ouais, c'est bien ce que je me disais, tu une scène. Merci, Jay. Là, normalement, ça devrait être mieux. Quand tu auras l'occasion de faire un retour. En coupant les enceintes, c'est bon. Ok. Enfin, c'est pas que je les ai coupées. C'est que j'ai redirigé le signal de Discord vers VoiceMeter. Alors qu'effectivement, précédemment, je demandais directement à Discord de balancer la sortie, non pas vers VoiceMeter, du coup, mais vers ma télé. Et il faut pas que je fasse vers ma télé. Il faut que je fasse dans la machine VoiceMeter. Et après, c'est à VoiceMeter de bien me restituer l'ensemble des canaux. Donc là, normalement, si j'ai bien compris, une scène, c'est l'idéal. Sachant que j'ai augmenté de 50% la puissance du Discord au niveau volume sonore. Donc j'ai bon espoir que ce soit parfaitement audible pour tout le monde. De toute façon, te connaissant, une scène, je sais que tu me ferais la remarque dès qu'il y a un truc qui est pas bon. Et merci à toi, bien évidemment. T'es notre technicien en chef. Ouais, c'est vicieux. Pardon. Me revoilis, me revoilou. Et ré-coucou. Ouais. J'ai un jeu de golf fluide. Parce qu'il y a certains parcours qui est ramé un peu. Ouais, mais je salue Twin Sen, hein. Il nous a posté une démonstration de comment il joue sur son ordi, ça fait peur. Mais il arrive quand même à se distraire en notre compagnie. Et moi je fais de la mouise. Allez, je crois qu'il faut aller à fond au bon moment. Au bon moment. Merde. Voilà. Alors, je vais rejoindre la partie, mais je l'oublie qu'il passe bien. Je pense que dans 5 minutes, ouais, on va ouvrir à nouveau le serveur. Tu vas pouvoir prendre ta place en fait quand on aura fini notre parcours actuel. D'accord, mais je me suis logé dans le. Non, j'ai une fausse bonne idée. Faut vraiment que je me projette dans l'escalier. Oh la violence. Oh merde, je suis cramé. No. Ouf. Ouf, 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 oula, oulala, oulala. Ouh. Attends, la dernière fois que je l'attends en bourrin. Bon,
C'est space, c'est trop bizarre. Oh, par-dessus la flamme, mais j'aurai le retour. Oh. C'est n'importe quoi. Alors, quelle couleur vous êtes? Parce que je prends une couleur différente. Il y a un rouge, mm-hmm. Il y a... Et j'ai les couleurs. Là, pour l'instant, blanc. Je suis en blanc parce que j'ai pas encore modifié. Mais sinon, tout à l'heure, je prendrai la couleur vert. Et, ah, ok, bon, je prends une autre couleur. Le pouf d'une scène, là, il doit en baver avec la, les saccades de son ordi. Oh, il fait des trucs magnifiques. Il a le mérite d'essayer des trucs très acrobatiques. Bravo, d'une scène. Mince! Ah, j'ai mal lu le parcours. Ah bah là, je vais me faire quick. Voilà. C'est mieux. Oh la vache. Oh, Birdie. Ah, cramé. Il a cramoux. Oh, j'ai vu joli le, la balle blanche. Ouais, c'est moi, ouais, joli petit saut sur le trou. Ah oui. Ça me correspond pas du tout ça. Non. Oui. Ah non. Je pense être une scène qui doit voir le dragon en... Alors, je peux pas changer la traînée de couleur pour l'instant. Ah. Ça se débloque au fur et à mesure du que tu joues. D'accord. Oh non, j'ai pas fait assez fort. Oh la vache, la portée du dragon. Waouh, il va une sacrée zone le salopio. Non, je suis trop tôt. Deg. Ça crame. C'est du tout cuit. Pleine puissance. Ah. Presque. Moi j'ai mis 88 je crois. Oh, pas assez fort le nounouche. Il va me faire cramer. Non, tu voilà. Redescends. Non. Ouf, de soulagement. Ah zut. Oh, pile poil, tu as fait le pas. Trop bien, ouais. Bravo. Voilà, par contre, terminé. Ok. Et automatiquement, le prix de la compatibilité revient à une scène. Parce que dans les conditions dans lesquelles il joue, ça fait mal. Je suis prêt. C'est cool. Et toujours le même mot de passe. Alors. Ah, je te laisse reprendre terre perdre, une honnête. Voilà. Je me passe d'habitude. Hein. Voilà, super, ça marche. Mmh. Ok, super. C'est parti. Oui, donc je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ne soyez pas surpris de l'absence de Fun Fan. Qui se manifestera peut-être à nous dans la journée, mais le malheureux souffre d'une rage de dents. Donc il est en PLS. Une pensée pour lui.
Il y a un casque romain. Ou grec, je ne sais pas, non, romain. Casque aussi. Même les saccades sont retranscrites sur nos écrans de Twin Sense. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Le pauvre. On se fait une idée de ce qu'il vit là. Aïe. Il s'amuse en souffrance. Quand même, ouais. Il trouve quand même le courage de jouer comme ça. Ouais. Ouais. Nana mouche pourrie. Oh, mon casque est en traviole. Moi j'ai une couronne, c'est pas mieux. Bien. Par. Le son en saccade, c'est énorme. Une couronne, ouais. C'est bien. Ouais. C'est le roi. Je crois que c'est parce que j'ai fait un par à un certain niveau. Enfin, au niveau d'avant. En gros, j'ai fait 55 coups sur 55. Je crois que la musique de jeu est. Une musique déposée, je crois. Je crois reconnaître une musique électronique connue. Ah, dans ce que je diffuse là, de mon côté, je rappelle que je mets la musique libre. Mon côté, la musique du jeu a été coupée tout à l'heure. Non, c'est une musique libre. Hein. Là, les musiques, j'en ai pas des nouvelles à part le coup de pilou crapou tout à l'heure. J'ai plus de problème maintenant. Dans ma liste de lecture actuelle, j'ai pas de. Vous devez retirer votre musique et vous êtes zappé. Et... Voilà, c'est l'essentiel. C'est chiant ça, ça va au-delà du truc. Excusez mon vocabulaire de chartier. Première fois qu'on joue à 4 d'ailleurs. C'est cool. Oh non, je suis fait laseriser. Laserisonne. Pleine puissance, il faut tirer. Effectivement. Mais t'as un bon PC et j'ai maintenant, mais t'as plus de coups que moi, je comprends pas. Ces niveaux font ramer grave. Ah, mon pauvre Swinsen. Donc il faut éviter le laboratoire avec toi. Je mémorise. Éviter le laboratoire avec Twinsen. Oula. J'ai peur que quand on va retourner à la fin là, il y a par deux fois, il y a le château là qui est magnifique. Je sais pas si ton ordi va aimer une scène parce que la carte elle est doublement chargée puisqu'il y a deux fois 18 trous. On verra. Mais bon, je retiens que laboratoire c'est dur. C'est la violence pour toi. Ce que je conçois parfaitement. Voilà. Mince, j'ai cru que c'était à moi de jouer. J'avais oublié que j'étais spectateur. Oui, par rapport à l'actualité de la chaîne, je pense pas en faire une surprise parce que je vous l'avais quasiment promis précédemment. Mais donc avec l'ami Nainonet présent, on va possiblement se refaire une promenade, cette fois-ci le long de la rivière dans la quinzaine à venir. Et évidemment, ce sera filmé et ça fera encore l'objet d'une soirée spéciale où on bavardera peinard entre nous. Merde, ah, excusez-moi. J'ai mal dit. Oui, donc oui, ça sera une bonne balade. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté. Ouais, le nom de la meurtre. Qu'on merci. S'organise ça, ouais. Oui, j'ai émis cette idée et ça a été retenu par le sage, là. On t'en compte.
Et en espérant qu'il fasse beau et pas trop chaud. Donc qu'il pleuve pas. Ouais. Après, des parapluies, voilà, ça peut être une balade avec un parapluie, ça peut être marrant. Bah, on avisera. Moi, je poserai mon jour en congé à ce moment-là et puis on fera la promenade. Où est-ce que je suis dans le jour? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu que c'était apprécié le... d'avoir un peu de promenade et que je change un peu du registre jeu vidéo. Ce que je conçois parfaitement. Et tant que je peux me permettre de vous l'offrir, voilà, c'est tout bénef. Bah dis donc, j'en chie là, vache. Mais pourquoi ça fait ça? On voit pas où il faut aller. Regarde en haut, il y a un téléporteur qui tourne. Ouais, je vois, mais ça fait deux trois fois que je le prends, il se passe rien. Ah. Ok, j'ai compris. Ah, tu l'as peut-être pris de dos. Tu l'as peut-être pris au mauvais moment. Voilà. Oh, mais j'envoie trop de puissance. Non, faut que tu le prennes au bon moment. Genre. Non, ça... Voilà, j'ai réussi. Oui, ça marche. Oui. Ah, ce sont les panneaux bleus qui font ramer. Ok, c'est les téléporteurs en fait, une scène que t'aimes pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un effet spécial, un peu portail Stargate SG-1 là, avec des. Ouais, les ondulations. Ouais, ça demande de la puissance de calcul, l'effet spécial là, ouais. Donc effectivement, ça met complètement à genoux ton PC. J'ai complètement merdé. 27 coups, quoi. Tu t'en sors bien, hein, tu une scène. Hein. Franchement, bravo. Non. Ah, ça fait tout voir, même. Merde, ah, merde, ça marche pas. Je me suis mangé un double laser. Ouais, 75%. Ah ouais, j'ai fait 70, je me suis fait avoir. Merci pour l'info. Merde, j'ai fait 74. Ouais, ça passe. Ah merde, c'est trop puissant. Trop de puissance. Trop de puissance. Oh, un coup. Bon, n'hésitez pas à constater là. La Twin Sen doit être malade, honnêtement. Ah oui. Effectivement. Avec un peu de chance, il aurait qu'un seul ou deux coups à faire, mais. Il va devenir fou. Non, il s'en sort bien, ça va. Zut, c'était tellement beau. Bon, on se rapproche. Bon, ça son circuit avant de faire toute forme de bêtises. Ah oui, chaque truc, ok. 50%. Et ben voilà, ça c'est bien. Ah. Voilà, 33 coups. Ah non, 36. Oh putain, c'est vite. Bon, là, c'est un peu complexe à comprendre. Attends, il est où? Où est l'arrivé? Ah, c'est là, ce serait là-bas? Parce oui, que quand je vais avec la caméra dans le truc. Non, ça marche pas. Oh, ça téléporte non plus la caméra. Juste un chouïa, j'ai passé le portail, un chouïa. Ah mon dieu! Alors je vois qu'il y a une butée parce que sinon j'ai reparti dans le décor. Ah, je fais en plusieurs petits coups. À 100% tout droit. Oh, la semaine qui arrive sur Twitch, ça va être la période de vache maigre. La pauvre Christella qui pourra pas émettre de la semaine parce que son ordinateur est en panne. Ah merde. Aeroster qui est en vacances toute la semaine qui arrive. J'adore regarder Aeroster en semaine. Et du coup, je me demande. Enfin, si, il va rester du monde, mais. Ça va être assez aléatoire. Oh, le laser qui pue là. Oh la vache. Ah ouais, lui il rend fou lui. Lui il rend grave fou. Surtout qu'il peut t'avoir dans la deuxième partie si tu sautes un peu trop vite. Il te... Je bouse. Oh, j'ai fait un truc magnifique. Bon, ça va. Oh non, c'est pas vrai.
Ah, t'es passé par-dessus la rambarde là. Ah. Arf. Oh, mais non, mais c'est n'importe quoi. Il y a une petite ambiance discothèque, le laser sauvage là. Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qui se passe, patron? Pourquoi patron? Mais non, mais là c'est une blague. Oh, c'est horrible. C'est horrible, bon, c'est horrible. J'ai un coup de. Ça m'énerve. Zen, zen, zen. Bah, arrête-toi sur. Oh putain. Tobaga! Tobagu! Je te suis, le singe, je te suis. Ah, j'ai loupé. Oh! J'ai vu des choses. Eagle. Ah, le pauvre. Vincent s'est fait avoir. Oh, moi j'ai visé, mais j'ai bien visé. Hein. Tu te mets dans l'axe. Ah, 49 coups, là, hein. L'arnaque. Arnaque Total War. Cette descente en saccadé. Oh la vache. Du. Ah! Oui! Ah! Bien. Ouh la misère. J'avais dit, Edge, qu'il fallait tirer à quelle puissance, je me souviens plus à ce truc-là. Pas peu fier de mon coup. Moi, je suis presque fier de mon coup. Merde, c'est pas vrai! Pardon, moi je suis en. Ah, trop mou. Et fini dans le décor. Oui, attends, il est technique celui-là. Ah si, il faut délibérément tomber dans le. Mais central. Oui, d'accord, ok. Je comprenais plus, j'ai dit mais merde, mais le truc c'est un carré parfait. Ouf. Attends, je suis où? Ah. Je suis impatient de refaire des séances de. Comment ça s'appelle, en tant que simulateur avec toi, le sage. Ah, camion? Ouais. Bah écoute, je sais pas si t'es dispo demain, parce que demain, exceptionnellement, je diffuse pour compenser mon absence de samedi. Si ouais, ça te dit, je ferai du camion quand tu le voudras demain. Tu te manifestes à moi, puis je basculerai en camion. C'est à quelle heure? Bah, je suis prêt à diffuser toute la journée, matin comme après-midi, un peu comme aujourd'hui, quoi. T'es pas chaud, apparemment c'est en kikine, t'avais pas prévu ça. Non, y'a pas de soucis, c'est juste que je. Pourquoi y'a pas ma bille? Ben, je peux pas jouer. Ah, c'est Vince Winston qui a été éjecté apparemment. Ah bon? Bah. Mais il est en mode spectateur. Mais non, c'est normal, c'est parce qu'il a pas encore joué, Winston. Enfin, faut pas qu'il tarde, attention, il y a un chrono au compte à rebours. Je dis ça, je te réponds, le sage. Demain, je réponds. Oui, bah tu me donneras la réponse quand tu veux, hein. Te mets pas la pression non plus, mais j'accepte avec grand plaisir ta proposition. Il y a aussi, elle le sait, mais je le rappelle aussi, il peut y avoir, enfin, pas un direct sauvage, dans le sens que n'importe quel moment de la semaine, je diffuse, je peux pas non plus diffuser quand je veux, faut pas déconner non plus. Mais Olive qui tue, elle sait qu'elle est prioritaire dès qu'elle me dit qu'elle est prête à faire la suite avec moi de Stardew Valley. Ouais. Mais ouais. Elle a besoin de repos, en ce moment, c'est repos total pour elle, donc à mon avis, ce sera pas cette semaine. Enfin, ce sera pas demain. D'accord. Je regarde un autre truc. Bah écoute, tu commences à diffuser à quelle heure dans l'après-midi? Ah, demain après-midi? Oh, bah je vais possiblement prendre mon antenne dès 14h. D'accord. Tu me rejoindras quand tu voudras. Hein. Ouais, je te rejoindrai vers 14h. Ouais, ok, avec plaisir. Ouais, c'est cool. Donc demain matin, je vais essayer de vous faire un petit peu de The Escapist et de Hérétique. Faut pas que j'oublie ces jeux-là. Oh merde! Pas vrai. Ah, je me suis mis à l'angle des lasers. Oh, bah tiens, on voit dans le détail, nanotex.
Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Je vais faire en plusieurs coups, ça serait tellement mieux. Oh non, j'étais trop violent. Ah, la violence n'est pas récompensée ici. La violence n'est pas récompensée. Il a passé les preuves difficiles aussi. Ok, alors attends, tac. Ah bah je me réjouis à l'idée de faire aussi du camion demain en ta compagnie. Est-ce que est-ce que t'as l'intention d'acheter une ou plusieurs DLC du jeu de camion? Bah si je devais en acquérir une, je cacherais pas que les accessoires de cabine, surtout ceux que tu vois tout le temps à la vue par rapport à ma vue qui pendouille devant le pare-brise, je dirais pas non. Mais je devine à ton propos que tu aimerais que j'ajoute quelques routes supplémentaires, c'est-à-dire acheter des états. Ouais, voilà, des états. Et alors ceux qui sont sortis il y a très longtemps, ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup moins chers. Et puis t'as les sites qui sont comme des magasins différents, qui sont officiels, qui sont agréés, qui vendent des trucs des fois parfois moins chers, beaucoup moins chers, voire la moitié du prix, encore moins cher que sur Steam. Il y a un truc que je te conseille, c'est... Attends, là, je suis en train de jouer mon truc. Il y a un package sur Steam qui te regroupe le Enchanted Bundle, je crois. Et dedans, il y a pas mal d'exemplaires de cartes. Après, moi, j'ai acheté deux DLC pas chers. Le Wyoming et Colorado. Plus les accessoires. Les accessoires de cabine. Et malheureusement, j'ai constaté que les accessoires de cabine, enfin, j'ai pas très bien regardé, mais j'ai quand même approfondi. On peut pas rajouter de lampes à l'intérieur du camion. De nuit, on voit pas. J'ai pas réussi à trouver comment faire. Ah oui, mais c'était ma remarque précédente, ouais, merci. Oui, je sais pas où il y a de l'écho. Oh, tu ne sais, tant qu'il y en a pas trop. Oui. J'étais à un coup du par quand même. J'ai même pas fait attention au résultat, tu vois, je papote et puis merci de la remarque, AJ. J'étais à 58 et le par est à 55. Ah, bien. Vaporwave, j'aime beaucoup ce parcours, graphiquement je le trouve magnifique. Mais quoi ce soleil, ça fait penser à un truc, mais c'est pas le truc de FunFan? Il y a de ça, c'est vrai, dans le style graphique à FunFan. Ça me fait penser aussi, je crois qu'il y a une représentation comme ça dans le Sang de Dragon, là, dans Far Cry 3. Blood Dragon, il y a un peu dans l'idée là, l'ambiance, et Retro Waves, un jeu que je me suis offert pour mes 40 ans là cet été, que j'ai pas encore lancé, mais c'est un jeu, je crois que ça lie la musique avec le jeu de bagnole, en bien rythmé, mais façon arcade, tu sais, tu passes entre guillemets sur une trois voies, d'une voie à l'autre pour esquiver les obstacles, un peu à l'instar d'un Outrun, pour bien prononcer. Outrun. C'est un peu le style graphique là avec le soleil là, années 80. C'est bien mieux pour jouer, je suis ravi pour une scène. Oui, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Où est-ce qu'on doit aller? Ah, il faut aller entre les deux enceintes, ok. Oui, il faut équilibrer la stéréo, te dirais-tu une scène. Oh merde, il y a la guitare de merde qui bloque. Excusez-moi, deux fois merde ça fait. Tu t'es pas accordé avec la guitare. Oui, 5 coups. La chance du débutant. Enfin, du nouveau circuit. Et surtout, je consulte le circuit avant de faire quoi que ce soit. Donc il faut aller par là. Belle balle. Oh merde, il y a une cassette à la con devant. Vous imaginez, on fait en fait un mode course, et je crois que c'est celui qui fait le temps le plus moins important. C'est le plus rapide en gros. Ah oui, là c'est le nombre de coups, et là c'est... Toi tu veux la vitesse, ok. Ça peut être sympa, mais je pense à Twinsen. Oui, c'est moins sympa pour lui. C'est moins sympa pour lui. Mais si nous devions être à égalité au niveau technologique, on va dire, il faudra qu'on se fasse ça, oui.
Oh, j'adore les carpes koi. Ils les ont magnifiquement modélisées. J'adore. Ah, plouf avec les carpes koi. Ah, c'est chier là, c'est du hasard. Il faut que tu tombes dans le bon tuyau au bon moment. Ce qui n'est pas ton cas. Voilà, moi c'est fait. Edge est le roi. Galère. Ouais, Edge est en galère. Louf. Oh le pauvre. Il a la malédiction des carpes koi. Utilise tes super pouvoirs pour savoir quand tu dois passer. Voilà, c'est bien. T'as utilisé tes super pouvoirs, ça marche. D'accord, merci. D'accord, bah, je peux quitter alors. Il me dit limite de poids atteinte, je lui ai pas sonné. Bah en fait, limite de coup atteinte, limite de tir atteint. Oui. Nana mouche pourri. Eh, hey, disons qu'il a moins de coups que nous, ça fait pas tout le PC. Mmh. Ah, il y a des lamelles. Mmh. Ouais, il y a la lame asiatique, là, pour pas dire nippone, qui fait très mal. Qui fait très mal. Merde, j'ai pas eu ce que je voulais. Ah. Voilà, 27%, c'était très bien. Le sage à la SNCF se fait découper par une lame japonaise. C'est ça. Dommage. Oh, Nana bouge pourri. Nana, c'est Tom Tom et Nana, non? Oh, j'aimais bien cette bande dessinée quand j'étais gosse. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non, pourquoi j'ai fait ça, patron? J'ai jamais signé pour ça. Non, pas dans le coin. Oh, vas-y, ça fait un coup de plus. T'es dans le panneau, je sais pas si on appelle ça un panneau ombrelle, mais... Ah non, c'est un panneau pliant. Oui, c'est très asiatique, ça. Un paravent. Ouais. C'est un paravent, d'après toi? Ah oui, tu as raison. Oui, oui, souvent, t'as la petite cordelette au milieu, et puis t'accroches ça au barreau de ton balcon, ouais, c'est vrai. Tu as raison, Ajay. Bien vu. Hey, des lamelles, il y a des lamelles, faites gaffe, au milieu. Oh la vache. J'ai des choux, les camis. Aïe. Des flamèches. Non, barre-toi vite. Le réflexe d'éviter la lame. J'ai eu chaud. Oh, et j'ai 43 coups, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, patron. T'as le PC le plus puissant? Mais alors? Il est trop puissant, justement. C'est la malédiction des carpes koi pour Edge. L'eau n'est point son élément. C'est vraiment là, c'est hyper chiant, je vais pas plein de balles. Oui, on peut demander hyper chiant. Attends, est-ce que je peux faire ça? Ah oui, il faut passer là. Enfin, je crois, hein. Oui. Oh non! J'ai dégueulisse. Dégueulasse? Dégueulisse. Ouais, pour mélanger les mots dégueulasse et délice qui sont contradictoires, ça devient dégueulisse. Je ne comprends même plus moi-même ce que je dis, c'est dire. Oh mon dieu, il se passe quelque chose. Oh, FunFan qui se réabonne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh. Alors, comment tu te sens, FunFan? Ça va mieux? Et merci pour ton abonnement. Merci tout plein. Il va y avoir une annonce, une alerte? Oui. Salut FunFan. Une minute après l'événement, ça se déclenche. J'avais fait exprès pour pas me laisser surprendre dans les jeux de course. Ça va mieux? Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Bien. Merde, je fais des bêtises. Alors, ce qui serait cool, c'est que tu sois en forme ce soir chez Bambastos, mon fan. Qu'on se retrouve encore plus nombreux chez lui et qu'on se fasse une soirée de foufou. Ce serait génial. Non mais, non, non.
Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. La 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 la. Non. Cette violence. Non, non. Il est bien ce parcours. Simple mais efficace. C'est marrant ça, le truc qui t'envoie en dessous si jamais tu loupes et tu retombes sur la lame. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, attention. Faites gaffe, il n'y a pas de mur. Hein. Un poisson, ouais. Un gros poisson bien méchant. C'est ça, attention Edger, on retrouve tes carpes koi qui te maudissent, j'ai envie de dire. Ah. Alors, tout baigne. Ah, ah, ah. Non, je suis pas dans l'axe. Non plus. Oh. Là je le suis de manière très classe en plus. Voilà, bah voilà, s'il voulait pas arriver, c'est arrivé. Hop, parmi les poissons. Oula. Ah ouais. Ouais, alors là c'est space. What the hell? Non, je crois pas. Je suis pas dans le trou. Je vais faire un grand truc. Oh non, c'est 100% qu'il faut mettre. Oh, c'est pas possible. Coup par coup, quoi. Ah, le truc pont-levis, là. Pont-levis, là. Ah, faut peut-être aller en dessous. Ok. Merde, pardon. Je me suis fait avoir quand même le. Non. Non, oh, je suis la mouise moi aussi. Oh là là, je fais des bêtises. Je contrôle mal ma souris à la main, c'est pas bien. Je suis rajouté deux coups vraiment bêtement. Alors, pour être honnête, j'ai pas spécialement envie de jouer à un jeu communautaire. En ce moment. Ah ouais, ok, bah je comprends. Ouais, c'est vrai qu'avec la douleur. Ah là 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 là. Je sais de faire un but propre. Voilà. Et je me positionne avant. Tant pis, ça se coûte un coup en plus, mais c'est pas grave. Oh la vache. Oh, ah, il y a les trous, mais faut vraiment éviter les trous en fait. Oh la vache, l'éjection que bah, je fais des bêtises, je vais y retourner là. Non, ça va, j'arrive à. Mais non, mais ça a faussé ma trajectoire. Oh, oh. Pareil. Blague. Attends, comme ça. Oh. Alors, j'aurais. Oh. Logique, mais je suis un abruti. Je suis un imbécile, ça fait peur, mais là franchement, bah oui, je peux pas déjouer les jeux à la physique. Oh, le carnage, c'est vraiment bien le. C'est bien pensé. Ouf. Oh, j'ai rallié l'arrivée.
Non, oh mais non, mais... Oh non. La caméra est braquée sur toi, Nainonette. Oh mon dieu, ce rip qui vient de t'arriver. Attends, t'es où? Ah, t'es là. Plus je joue au jeu, plus je... Plus j'accuse le jeu de, d'être mal codé. Alors qu'en fait, il faut juste bien viser, quoi. Bah oui, non, il est bien codé. Non, mais je rejette la faute sur le... Un peu comme dans Age of Empires, oui. J'engueule les unités alors que c'est moi qui fais l'erreur, quoi. Là, j'avais tiré trop fort, c'était la faute. Oh! Il y a une statue de... Je sais pas comment s'appelle ce genre de statue. De quoi? C'est la victoire de Samothrace. J'ai pas compris. Tu as dit quoi, s'il te plaît? La victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace, ok. Merci. Bien. Un petit 100%, c'était un peu trop. Oh! Je le sens. La victoire des Samosa. Bah, qui a pas de chance, on aura la Vénus de Milo, là, ou. Avec l'expression associée, les bras m'en tombent. D'accord, je peux avoir où je vise. Bon, bah, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est une blague. Le temps de sens. Alors, qui c'est qui est devant? Ah, il y a un trou là. Là, il faut aller dans le trou. Non, même pas, faut aller où? Ah bah d'accord, fallait mettre moins de puissance. Là c'est une statue de Athéna. Non, trop fort. J'étais pas si loin que ça. Bon, je suis bien centré là. Bien vu. Ça n'a pas payé pour un seul tir, mais non. C'était bien vu. Voilà. 82. Ah, 82, le sage. Ouais. Mon année de naissance. J'en dirai pas plus. Pirate. Oh, le paradis. On va aller chez le pirate. Et en français, ça donne quoi? Pirate. Repère de pirate. Oui, repère. Et en anglais, c'est haven. Haven. Pas even, non. Haven. H-A-V-E-N. Ouais. Haven, c'est avec un E en plus. Bon, je l'informe que c'est ma dernière partie de... Mini-golf, ouais. Mini-golf, ouais. Du monde, on est combien? On est 5. Ou 6, non, 5. Alors, si, ouais. Ah, amateur de trou en un. J'ai fait un trou en un. Hey. Ah oui, c'est mon 10e trou en un. Pareil. Ah, j'ai fait un. Ah oui, pareil, bravo, EJ. Attention. Oh! Un piaf. Un goéland. Moi, j'en ai une mouette. Bon, je sais pas comment c'est la différence. Plus gros un goéland, non? Pourquoi il me renvoie la position initiale? C'est pas un albatros. Ça n'a aucun intérêt. C'est un grand oiseau, l'albatros. Non, mais me renvoie pas dans les pattes du goéland. Oh, à la position initiale, c'est une blague ou quoi? Mmh.
Voilà, 8 coups, la lose. Ah, j'ai de l'écho. Ouh, y'a... Pas le dire à Dragon Sky, hein. C'est un rang. Ara, A-R-A. Le bel oiseau des îles. Ah, perroquet, tu veux dire. Oui. Merde, je sais plus l'autre espèce de perruche colorée que ne sont pas les haras, mais justement c'est des cousins à eux, c'est les... je sais plus... Tu l'avais... grâce à toi j'avais appris le mot, mon cher Edgel, lors d'un bac, un petit bac. Le Quetzal. Merci, c'est ça. Heureusement que t'es là pour relever le niveau culturel, merci Edgel. Un Quetzal, quoi. Il y a aussi le Kakatoès qui est tout blanc avec une crête jaune. Pleine puissance, les gens. J'ai vu un casque romain rebondir. Regardez ce qu'il fait, mon casque romain. Oh putain. Twinsel à la limite de la main. Oh non, mais c'est vache ça. Y'a pas de vache partout. C'est vrai, ils auraient pu faire un mode prairie, tiens, avec une basse-cour, ça aurait été rigolo, tiens. Ça, c'est un thème à leur suggérer. Un basse-cour avec, je serais venu pas avec une balle de golf, mais avec un fusil. Hein. Oh oh. Alors. Sérieusement. Dans plus tard, parce que je l'ai pas encore acquis, mais ça pourrait être le cas dans quelques années. Vous savez que j'aime beaucoup les FPS rétro, façon Wolfenstein 3D, voire Doom. Et dans ce genre-là, justement, un coup de fusil à tirer dans les animaux de la ferme, il y a les cutéreux américains, comprenez par là, Redneck Rampage. On dit les nuques rouges, en fait, cramés par le soleil, à se pencher vers la terre pour bosser. C'est de là vient le nom Redneck en anglais. L'équivalent pour nous de dire des cutéreux, alors c'est péjoratif, c'est vilain le terme. C'est un FPS, pour ceux qui ne connaissent pas, des années 90, qui était peu connu, mais pourtant qui j'ai déjà joué à la démo. Et je serais pas mécontent de me frotter au jeu complet, surtout qu'il y a eu une extension, je crois, en plus. Qui est Redneck Rampage, je vous le ferai peut-être, on va dire, je sais pas, courant 2025. De toute façon, des FPS rétro, j'en ai pas mal sous le pied, là, sous la main. Sachant que j'ai toujours pas repris mon dernier rite. Mais c'est pas vrai, je suis pas exprès, c'est la deuxième fois que je fais ce parcours en rebondissant deux fois de suite sur la tranche. C'est dingue. Je fais pas exprès, hein. C'est à l'instinct que je joue et c'est complètement dingue. Ça fait un la deuxième tranche. Clip. Qu'est-ce que t'appelles sur la tranche? La partie en bois. Ah. Ouais, deux fois de suite, en un coup, j'ai fait un rebond parfait saut de puce, sans être éjecté, mais j'étais à l'extrême limite. Et c'est la deuxième fois que ça se reproduit. J'ai déjà un premier clip de ça. Bah là, du coup, ça va faire l'occasion d'en faire un deuxième. Je regarderai aussi. C'est waouh. Je calcule pas mon coup, hein. Je joue à l'instinct, donc c'est... Ça me surprend à une nouvelle fois. Mais même à 100%, ça marche pas. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je me suis laissé surprendre par le rebond de ma balle. Parler de Redneck Rampage. Ouais, exact, merci. Et des FPS. Et ouais, et que j'ai toujours pas repris, parce que je l'ai pas réinstallé, Last Rite, souvenez-vous. Sur les 10 niveaux, j'étais coincé au 7ème. Parce qu'il commençait à avoir des robots avec des roquettes, et ça devenait injouable, donc c'était balèze. Mais le problème, c'est que j'ai eu mon incident informatique depuis. Je retrouve plus ma partie avec le jeu. Par contre, sachant que j'avais fait les premiers niveaux en anglais et que je me suis aperçu trop tard que je pouvais réinstaller le jeu en français, je vais... nous on dit les Pegus, me dit Nachevman. Ah ok. Et je serais tenté, quand j'aurai reconfiguré comme il faut le jeu, de vous refaire Last Rites, mais pas sur Twitch. Directement sur mon temps libre de temps à autre, je ferai un niveau en français que je mettrai directement dans YouTube. Le moment venu, je vous préviendrai que vous puissiez regarder ce que ça intéresse. Et éventuellement, je ferai du niveau 7 jusqu'au 10 que j'avais pas pu faire sur mon antenne.
On verra le moment venu si si j'arrive à le placer en direct sur Twitch. Parce que là, ce sera de l'inédit. Il est déjà 16h, vous du duo. C'est l'heure du goûter. Ouais, c'est pour ça que après ce niveau-là, je vais m'arrêter pour prendre un goûter. Ouais, t'as bien raison, y a pas de souci. Bah du coup, je me retrouverai celle avec Twinsen, ou éventuellement faire duel avec Twinsen, s'il l'accepte. Sinon, je basculerai sur un autre jeu, peut-être éventuellement revenir dessus un peu plus tard, si à nouveau vous souhaitez rejouer. On verra. Et observez Excel. Et le sage, tu dis que t'aimes bien les FPS rétro, mais est-ce que t'aimes bien les FPS récents comme tel Doom 2016 par exemple? Moins honnêtement. D'accord. Je suis vraiment Alors c'est pas que j'aime pas, mais j'ai moins d'enthousiasme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur Wolfenstein 3D et le premier Doom, c'est lié à mon adolescence, donc je suis un peu en mode nostalgie. Ça me rajeunit, j'ai envie de dire, d'y jouer. J'oublie que j'ai déjà 40 piges. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir la jouissance de la jeunesse éternelle, on va dire, d'une certaine manière. Moi, j'ai pareil totalement, avec... Voilà. Et je retranscris. Ouais, oui. Moi, j'ai non, pareil je avec... excuse-moi. Tu retranscris quoi? J'ai pareil comme toi, j'ai bien la nostalgie des vieux FPS, mais j'ai pas envie de les refaire parce que je l'ai fait tellement de fois. Et du coup, j'ai donné le jeu à, enfin, offert le jeu à FunFan pour qu'il le fasse. Ça sera Outlaws et normalement il le fait la semaine prochaine, il me semble. Je sais plus la date. Il m'avait proposé une autre date. Ah oui, j'ai oublié, regarde. Regarde. Dimanche 4. Ah oui, j'ai pas répondu le vendredi. Oui, FunFan, c'est bon pour le vendredi à 15h, ouais. Attends, j'écris. Vendredi, moi, est-ce que je serai devant mon écran vendredi? J'ai envie de dire théoriquement oui. Je pense que je préfère la modération chez FunFan vendredi après-midi. J'ai commencé à refaire le jeu, mais j'ai fait tellement de fois que je me suis découragé. Et là, attends, pardon, on doit passer. Non, on l'a fait, c'est pas là. Et moi, je vais me faire retarder. Ah zut. Bah, c'est surtout que t'as un compte à rebours, alors on va pas te mettre la pression, mais je te l'aurais rappelé il y a une minute. Pareil, là, 60%. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai laissé par défaut. Ouais. Ah, c'est le suivant. Oh, bah alors là, pour la semaine suivante, je pourrais pas dire. Encore trop tôt, je sais pas. Et le 4. Non, 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 pas sur le goéland. Pas sur la mouette. Non. Ah Merdoum. Merdoum et crotoum. Ouais. Ouf. Hop, ça va, c'est bon. La casse. Encore 3 trous. Et je suis à 52. Ouais. Pas trop éloigné, du coup, ça va. Ah oui, voilà, faut aller en face. Faut aller en face, oui. Voilà, ah puis là ça va être chaud. Ça va être chaud les marrons. Oula, je sais pas du tout dans l'axe. Pas trop vite, pas trop vite. Oh non. Ouch. Alors, j'ai remarqué que les... Pardon. J'ai remarqué que les boulets, contrairement à Golf Galore, le fait de les toucher, ça te stoppait juste. Alors que dans Golf Galore, ça t'éliminait ton coup. T'avais pas le droit d'entrer en contact avec les 10 boulets. Ouais. Et là, ça te. Et genre, il va te pousser le machin là. Il va te pousser dans le vide. Voilà, il te pousse dans le vide. Ouais. C'est moche. Ouch. Oh, c'était presque bon. Oh, 54 représente. Ouais, notre département, les Meurthe et Moselle. Pleine balle. Pleine puissance. Que je crois que c'est pas ça qu'il fallait faire, sinon tu vois le décor. Ah oui. Louf. Ah. Ah oui, t'as voyagé loin. Bonjour Théo, comment ça va? Ah bonjour Théo. Salut Théo. J'ai la belle des pouettes. J'ai un petit.
Ah, c'est dans les trous, ça, non? Ouais, donc il faut faire un 100%. Oui, l'animation de la mouette qui... Oh mon dieu. C'était arrivé de fou. Ça va nickel, j'ai repris Minecraft un peu, ça faisait longtemps. Ah oui. Et vous, quoi de neuf? Bah, notre pauvre fun fan qui souffre d'une rage de dents. Dans l'ensemble, on va bien, voilà. On est toi, tranquille, entre copains. On se fait un mini golf. Bon, là, je sais que Tainonet et Edge arrêtent, parce qu'ils ont d'autres occupations. Ouais. Voilà, voilà. Exact. Alors, je pense que je continue un petit peu avec Twinsen. Steampunk, je pense que ça va marcher pour. Hop là. Je vais prendre un petit goûter. Ouais. Mais oui, restaurez-vous. Bon goûter à vous, vous avez raison. Ouais. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, pareil. À tout à l'heure. Dernière partie, ouais, une dernière pour toi aussi, ok. Bon, bah après, je basculerai sur autre chose, je sais pas, je me ferai peut-être du Minecraft. Tranquillou. C'est là où je vais retrouver Nashevman, je sais pas si. Il a le temps. Ouais, au moins c'est bien, t'as l'info Théo pour FunFan qui fera mardi sur son antenne le soir à partir de 21h en général. Enfin, je t'invite toujours à acheter un coup d'œil à partir de 20h, on sait jamais. Mais généralement il prend son antenne le soir à 21h, FunFan, et puis là ouais il va refaire du. J'aime bien aussi le Deus Ex version console en ce moment. Oui, en plus, c'est vrai, un nouvel habillage de chaîne pour FunFan. C'est un événement en soi. J'ai hâte de voir comment FunFan a bossé. Oh, j'ai pas fait assez fort. Si, ça va. J'ai eu un doute, j'ai cru que j'allais finir sur le parquet. Ah! Oui, le fait que t'es perdu, oui, que t'es fini dans la lave, mon pauvre Nash, ce matin. J'avais vu sur le blog de Christella. Le Discord de Christella. Le pauvre Twinsen, mon dieu. Il t'arrive des choses. Ah non, c'est un décalage de la... Ok, bon, c'est mieux. Ouf. Je te voyais rouler sur le parquet. Ouais, bah après, moi, je me lance au Minecraft. Message de FunFan1992. En réalité, je n'ai rien fait. C'est Twin the Witch qui a tout fait. Oh. Donc, on va voir la patte graphique, si je puis dire, en quelque sorte, de l'ami Twinsen. Oh là là, ça... Attends, je suis même plus concentré dans le parcours, là. C'est... Ça promet d'être sacrément intéressant demain. Après-demain, pardon, c'est vrai qu'on est dimanche. Allez, vas-y. Broyage de... de balles de mini-golf. Ça rame, ce niveau. Ah, oh, j'ai pas fait exprès. Bah, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit fluide, Twinsen. Alors, faut que j'en retienne que le labo et la serre, c'est pas bon pour toi. Le laboratoire, cette serre, c'est la mouise. Bon. Laboratoire et la serre. Ah. Que je te rende l'expérience de jeu la plus agréable possible. Ah, alors, à mon avis, là, c'est des montgolfières qui te ralentissent. Et... il faut pas que je fasse le grand château avec toi, Twinsen, parce que là, je pense que ton ordi, il va crash. Carrément. Parce que vu le nombre d'animations dans le château, ça n'est pas la peine. J'ai installé, nous dit Théo, pour la première fois des mods sur Minecraft. Ça change la vie. Alors, attention, oui, j'ai eu jadis l'expérience, en plus, sur le serveur familial, il y a quelques années, des mods. Il y a ma nièce, Marianne, que je salue, bisous à elle, qui voulait absolument que je mette des mods et que je m'y frotte. Alors, c'est très prenant. C'est prenant à double titre, d'un point de vue chronophage. On voit pas l'heure passer aussi bien installé qu'à y jouer. C'est aussi chronophage dans le sens... quand vous tenez un serveur, il faut expérimenter les recettes. Si vous prenez pas un pack complet préconçu, et que vous picorez les mods qui vous intéressent pour essayer de les fusionner, les utiliser simultanément, il faut être extrêmement patient. J'ai passé plusieurs journées du matin au soir à faire des combinaisons, à voir si les mods étaient bien digérés par le serveur et si le client aussi l'ordi digérait bien et qu'il n'y avait pas de crash ou de bug à répétition. Et voilà,
C'est risqué. Mais j'y allais joyeusement. Moi, je crois que quand je faisais les mods... Mince, je suis allé au mauvais moment. Quand je faisais les mods, moi, j'y allais carrément. Je crois que j'avais 80 mods sur mon serveur. C'était un truc de fou. Re, Gabriel! C'était un truc de fou. Oh, merde, j'ai fait trop fort et j'ai... Oh là là, quel idiot. Voilà où. Tu as totalement raison, dit Théo, mais un peu comme à la Deus Ex, je suis resté très proche du jeu, donc j'ai eu des problèmes de mode pas compatibles, et la version 1.19.2 et des non-problèmes de compatibilité entre modes. Ouais, c'est... Trouver la combinaison gagnante n'est pas évidente. Mais j'en avais trouvé une, je sais pas d'ailleurs, j'ai peut-être dû regarder la recette, mais c'était pour une vieille version, ça date en année, donc... Il y a 4-5 ans, donc ça devait être la version 1.12, là, si on est à la 1.19, donc c'est même pas la peine. Ça vaut même plus le coup aujourd'hui. Ça doit être mieux abouti, les packs de mods, les mods dont ces temps-ci. Alors, attends, j'ai une question de FunFan qui me dit, est-ce que demain tu fais un direct pour... Oui. Demain matin, j'ai pris congé pour demain. Donc demain matin je ferai du... Demain matin je me vois faire The Escapist Evasion Prison. Un petit peu aussi de... Pour pas perdre la main de... Hérétique 1. Justement on parlait des FPS rétro, c'en est un Hérétique. Et l'après-midi, convenu tout à l'heure avec Ninonet à grand plaisir, Camion Américain. On verra si j'aurais pris les extensions ou pas. Je reverrai ça ce soir tout en jouant avec Bastos sur sa chaîne. Je vous en dirai plus demain. Honnêtement, je ne promets rien. Mais on verra. Vali, Valo. Mais si t'es pas bien, te force pas, hein, FunFan, hein, tu le sais. Il faut que tout reste plaisir, même le fait que tu m'aides à faire la modération. Là, ça va, on est tranquille, peinard, entre copains, il n'y a pas de soucis. Là, pour le moment, ça se passe très bien. Alors, Gabriel pose la question, est-ce que tu pourras faire le jeu avec les billes où on peut participer? Ah oui! J'aime beaucoup les bébés Marvel on Stream. Je pourrais... Alors les bébés, tu vois, je pourrais les programmer ce soir. À 19h45, je fais le tableau mystère. Mais je rendrai l'antenne à 21h pour Bombastos. Donc entre 20h et 21h, on pourrait se faire une heure de bébés. Est-ce que ça t'irait, Gabriel, par rapport à ton temps libre aujourd'hui? Ce soir, 20h-21h, les bibis, ça t'irait? Je suis pas allé au bon moment. Merde, Oum. Parce que là, après la partie-là, je pense franchement jouer à Minecraft. J'en ai vraiment très envie. Alors, ça va mieux. Je pense que c'était une petite rage dedans, en fait. Ah oui, donc tu reviens quasiment à l'état normal. Bon, bah c'est bien. Puis si t'as fait un bon bain de bouche, t'as peut-être résolu le problème, quoi. T'avais peut-être un début d'infection que t'as réussi à récupérer. Bah, je sais pas si ça ira, mais j'espère que oui, joue à ce que tu veux. Oui, merci, bah, c'est la règle d'or, oui, voilà, se faire plaisir. Bah, là encore, je te cache pas, c'est une horaire, même si on est dimanche. Voilà, là j'ai mon audience moyenne, 5 spectateurs, et puis on est vraiment entre copains. Je peux avoir plus de curieux, mais mes bonnes audiences, c'est quand j'arrive à la dizaine de spectateurs. Et puis là, ça fait potentiellement autant de participants, tu vois, au bibi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, pour info Gabriel, quand je ferai ce soir de 20h à 21h les bibis, je vais peut-être rééditer ça demain lundi. Puisque je le rappelle, pour compenser mon absence de samedi pour cause malheureusement d'enterrement en famille,
J'ai pris congé pour lundi, demain, pour voilà, que vous ayez 48 heures, deux journées complètes de jeu avec moi. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tant que je peux encore prendre quelques jours à droite, à gauche, voilà. Mais c'est le luxe que je pourrais plus m'offrir à partir du mois de septembre. Parce que là, je vais retrouver au niveau taf mon plein régime. Il y a eu un subresaut qui est pas cool. Ah, oh non, j'ai eu un rebond félon. Ah, voilà qui est mieux. Est-ce que tu ne sais, déjà arrivé? Oui, je crois. Ah, la fontaine. Les fontaines, les. Mais je reviens rapidement sur les bibilles. Je l'ai pas encore déclaré officiellement. Il faut que je mette à jour plein de trucs encore. Mais donc normalement le week-end prochain, on va arriver dans ma nouvelle routine, on va dire, c'est-à-dire le samedi avant que je rende l'antenne pour FunFan, quand on fera des choses, quand FunFan prendra son antenne le samedi soir. Parce que là, il y a encore Fort Boyard, on est entre guillemets en horaire d'été. Mais le samedi, avant de rendre l'antenne, moi, je ferai les bibis. Ça deviendra un classique le samedi soir. Et le dimanche, le tableau mystère, comme on va le faire aujourd'hui. Bon, sauf que là, c'est pas le tableau mystère qui va boucler, mais exception les bibis, voilà, je compense par rapport à mon absence d'hier. Vous m'aurez compris. Alors, une question de Théo. C'est quoi le premier chiffre jaune? Ah oui, alors, je vais expliquer les couleurs, les... Ouais, ouais. Je comprends vos interrogations. Alors, le jaune, c'est le nombre de spectateurs, j'ai envie de dire entre guillemets, actifs. Pas forcément à clavarder dans le chat, mais c'est le nombre de spectateurs connectés à la chaîne en quasi-temps réel. Pour pas faire saturer le réseau et les serveurs de Wisebot, parce que cette information-là, je le prends sur le robot Wisebot et son serveur. Je l'interroge toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je fais un petit pointage pour récupérer les statistiques que vous voyez là. Donc jaune, c'est le nombre de spectateurs qui regardent la chaîne. En vert, vous aurez évidemment compris que c'est l'heure française en direct. Le nombre rouge, c'est le nombre de personnes ayant fait acte de fidélité à la chaîne. Les fameux follow, ou followers en anglais. En rose, c'est quand aura lieu le prochain tableau mystère. C'est voilà, une exclusivité, ou presque, peut-être que d'autres le font. Mais j'avais shippé justement l'idée-là à Ronan Le Toqueux, alias Read Me Up, qui malheureusement et rediffuse un peu sur Twitch de nos jours, mais vraiment de manière très occasionnelle, parce qu'il a une vie professionnelle et familiale très chargée, tout à son honneur, il est heureux papa maintenant. Bravo à lui. Le tableau mystère, en fait, c'est... Je l'annonce parce qu'en fait, surtout une scène a dû y jouer, mais pas que. J'ai fait des photomontages à partir de captures d'écran de jeux vidéo. Et vous devez deviner à quel jeu vidéo ça correspond. Donc, si vous donnez les bonnes réponses, bah, je vous attribue des points de chaîne. Et les points de chaîne, c'est un peu la monnaie virtuelle qui vous permet bah, de déverrouiller des possibilités d'interagir avec moi ou les jeux en cours. D'ailleurs, ça va s'étoffer hein, dans les mois à venir. Je vais essayer de faire un lien, je le rappelle, entre vous, public, et mes parties de Minecraft. Vous puissiez me donner des bonus, enfin, pas qu'à moi, aux autres joueurs connectés au serveur, mais aussi des malus, c'est-à-dire générer une horde de zombies pour donner du fil à retordre. Ça viendra. Je pose pas de date parce qu'il faut que j'apprenne encore comment ça fonctionne. Et enfin, le dernier nombre coloré en turquoise, là qu'on voit actuellement 59, c'est le nombre de messages qui a été écrit dans le chat depuis que j'ai pris mon antenne. Voilà. Vous savez tout. Alors, pour le petit détail technique, et j'en suis pas peu fier, il se trouve que la statistique du nombre de messages déposés dans le chat est entre guillemets normalement une exclusivité des joueurs sur PlayStation, ceux qui émettent depuis la PlayStation.
Et moi, j'ai réussi, parce que je suis technicien informatique de profession. Donc j'ai la chance d'avoir des acquis de formation et d'être à l'aise avec l'informatique d'une manière générale. Alors, je ne suis pas doué en programmation, mais je me débrouille. Et j'ai vu un moment, en regardant dans la coulisse de Wisebot, que je pouvais récupérer l'information avec ma clé de diffuseur, mon identification Twitch sur Wisebot, je pouvais récupérer sur leur serveur mes statistiques. Alors les statistiques, c'est un pataquès de valeurs. Le dernier message qui a été écrit dans le chat, le nombre de messages qui a été écrit depuis la prise d'antenne, le dernier donateur, le dernier qui s'est abonné, le dernier qui a suivi la chaîne, il y a plein de stats, sans déconner, il y en a plusieurs dizaines. Et je me suis arrangé en programmant ça avec le logiciel Lazarus. Lazarus, en fait, c'est ce qu'on appelle IDE, c'est un environnement de développement intégré avec le langage Pascal, que je maîtrise un petit peu. J'étais formé en BTS sur ce langage. Vous avez l'interface que j'ai réussi à programmer à partir d'une police libre qui s'appelle... Je suis dans le jeu. Je vous donnerai le nom tout à l'heure. Mais c'est une police qui est totalement libre. Même pour une utilisation commerciale, ils ne demandent rien, les créateurs originaux de la police de caractère. Voilà, façon LCD, j'adore ça. Façon Radio Réveil. Attendez, je vais essayer de bien jouer. Oui, dos droit et boire un coup, oui. Tu as raison, Gabriel. Merci. Merci. Oui, c'est... Voilà, le nombre de messages, normalement, c'est l'exclusivité aux joueurs PlayStation, et moi, joueur PC, d'avoir pu récupérer ça, parce que c'est bizarre. Il y a plein de... Je pense à Streamlabs ou Streams Elements. Il y a plein de gadgets comme ça pour faire l'habillage de sa chaîne. Et le nombre de messages, il n'y a pas. C'est bizarre, sur PC, il n'y a pas. Alors, le fait que je sois parvenu à obtenir ça, je vous cacherai pas que je suis pas peu fier de ma prouesse. C'est un peu ma signature plus-value pour ma chaîne. Et je suis bien content de l'avoir. Doom 64 gratuit sur Epic Games. Ah, merci pour l'info, Nainonet. Et tu t'es bien défendu, Tunsen. Merci d'avoir joué. 73 contre 87, sachant que toi, tu souffres de saccades. Et que là, la serre, t'étais à la peine. Bien joué, merci. Bon bah je coupe du coup comme c'était la dernière partie. Merci Twinsen. Ouais c'était cool. Ça m'a fait du bien la petite heure et demie. Donc je vais basculer dans Minecraft. Attendez, vous avez gagné le droit de voir ma tronche. Faut que je change.